Alors aujourd'hui par téléphone, je parle avec notre ami Doudou de Saint-Cyr qui est en train de récolter des fonds, enfin qui essaye pour une fois de plus la saga et pour les familles d'accueil si je ne m'abuse. Oui, et puis surtout pour prendre en charge et parrainer les enfants. Voilà, alors raconte-nous comment ça peut se passer. Oui, donc là nous sommes effectivement dans une démarche de collecte de fonds. Et notamment à partir de demain vendredi jusqu'à dimanche 14h, nous organisons une collecte de fonds dans les trois magasins Carrefour de Arouefa et Poulaouia. Le principe, c'est depuis quelques années le même, c'est-à-dire qu'on sollicite les clients de ces magasins pour qu'ils nous ramènent dans des caddies des goûters et des petits déjeuners pour les enfants. Et nous profitons également de l'occasion pour récupérer des bons d'achat que l'on utilise pour aussi acheter de la nourriture. Et puis nous vendons des t-shirts. Donc le principe, c'est ça, c'est de profiter de ces trois jours pour récupérer un maximum de moyens pour aider les enfants à partir dans cette belle aventure qu'est la saga. Oui, parce que cette fois-ci, alors cette année, elle a lieu où encore? Alors cette année, c'est donc la 24e édition. Elle a lieu à Papéari, au Motu Ovini, c'est-à-dire sur le bord de mer du jardin botanique. Donc on est magnifiquement accueillis par la commune de Tebayuta qui a tout mis à notre disposition, des moyens humains, on aura même des pompiers volontaires qui seront là, le transport, ils nous donnent un grand coup de main pour les transports, pour l'hébergement, ils nous mettent à disposition avec une centrale, vraiment la commune s'est pliée en quatre pour nous, qui nous soulage beaucoup. Ils ont aussi beaucoup participé au choix des familles, qui sont pour la plupart déjà validées par la direction des affaires sociales du pays. Voilà, bon, beaucoup de choses avancent, hein, évidemment. Il faut maintenant qu'on concrétise parce que nous démarrons le 26 juin, donc c'est dans... C'est demain quasiment. Voilà, c'est demain quasiment. Donc notre équipe est en train de se mettre doucement en place, parce qu'il nous faut beaucoup de moyens humains, et notamment des moniteurs, puisqu'il y aura 12 ateliers de voile en permanence. Donc ça veut dire qu'il faut un minimum de 12 moniteurs. Et est-ce qu'il y a encore des candidatures attendues? Alors, concernant les moniteurs, on a été obligé d'en embaucher en métropole parce qu'il n'y en avait même pas assez sur place. Et les moniteurs habituels, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient pris, ils étaient coincés dans d'autres occupations. Bon, alors donc, mais bon, tout ça, ça va être résolu. L'équipe sociale est en place, elle va accompagner les enfants. Les enfants, eux, vont être choisis donc principalement par les services sociaux et dans les centres et foyers d'accueil. Tout cela va être réparti donc sur les 5 semaines. Nous allons en tout accueillir 144 enfants semaine pour un total de 720 enfants, avec y compris bien sûr des enfants des Marquises, des Australes, des Gambiers, de Tuamotu, et puis même de Montréal. Et c'est pour ça que tout ce week-end, il faut se précipiter et remplir les caddies. Tu voulais, on va te couper là parce que il y a le direct. Tu voulais dire un petit mot aussi sur la soirée caritative qui avait été organisée. Alors, je voulais dire encore un grand merci à Taou IFM qui nous a franchement aidés parce qu'au mois de janvier dernier, décembre janvier, il y a eu une magnifique soirée au Manava Resort avec le DJ de Bella Sound, qui nous a proposé une musique extraordinaire, et tous les fonds récoltés ont été tous reversés à la saga, ce qui me permet aujourd'hui de dire que grâce à ces fonds, nous pouvons automatiquement parrainer 20 enfants, faire partir 20 enfants à la saga. Alors merci, encore mille fois merci de Taoui FM. Eh bien écoute Doudou, je te rappellerai dans la semaine prochaine pour savoir faire le point avec toi de tout ce qui a été déposé dans les caddies. D'accord? On donne un petit rendez-vous. Allez, merci, bon courage Doudou et merci pour ce que vous faites pour les enfants. Merci.